Je fais le comment ils appellent ça? Ah, je sais pas comment ils s'appellent ça. Le boulet. on peut non, je fais la pierre, bouge pas. Ça y est, ça recommence comme la première. C'est ça. Ta gueule. Salut à tous, c'est Schizophrène. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Farming Simulator 2017. La dernière. Je suis en compagnie, bien sûr, de Tia. Salut. De Roro. Bonjour YouTube. De Bratak. Yo YouTube. Et de Titi le Belge. Salut, salut. Sur Discord, on a aussi Majeros qui a pas pu venir, dû à un problème de coup. Salut YouTube. Effectivement, problème de coup. Donc voilà, il est avec nous par la voix. Donc, petit voilà. Épisode de fin, donc ça va être tout simple, hein. Bien sûr, comme vous avez l'habitude, je clôture toujours mes carrières par une grosse vente de tout le matériel et de tout ce qu'on peut posséder pour voir à peu près combien on a rentabilisé toute cette ferme qui nous a donné beaucoup de temps avec Roro et tout ça. Donc Titi va charger le plateau de laine avec le Manitou. Bratak, Etia et Roro, vous allez venir avec moi au magasin, on va se faire une première session vente matérielle et après on va s'occuper du reste. Alors, le tracteur, il est au mieux. Il est là, je l'ai vu, c'est bon. Tiens, tu me prends tout ce qui roule, tu me le mets au magasin. Moi, je vends. Roro, tu vends avec moi, parce qu'on sera pas assez de deux pour vendre. Ok, faut juste que j'arrive à sortir de derrière le bâtiment. Bah, t'es encore bloqué. Toi. Et le jingle, oh la gaffe. Faut vraiment qu'on le fasse, ce jingle. Alors, ça c'était une location, les enfants. C'est cool de le savoir. Ça commence par un rendage de location. On va essayer de pas se faire écraser. Eh, hey, on se calme. Je me sens oppressé d'un coup. Ah. Moi, je me suis déjà fait rouler dessus deux fois. Hein, on va se casser, on va se rester là. Attention. Oh là, vas-y. Oh, mais non, c'est qui a rangé ça comme ça? Vas-y, ouais. Allez, Bratak. Allez. On a galéré à ranger. Tu peux le faire. Ah, je vais le faire. Je vais juste pas me prendre le poteau, voilà. J'y arrive, tu vois, ça vient gentiment, mais j'y arrive. Alors, pendant ce temps-là, bien sûr, en stock, on a 72 000 d'orge, 48 000 de colza, 73 000 de soja, et tout ce qu'on voit pas encore, parce qu'il y a des patates, il y a des betteraves, il y a du maïs. Il y a du foin. Il y a du foin, il y a de l'ensilage, il y a un peu tout le bordel. Donc ça devrait pas être trop mal. On va pas plus loin. Décroche. Ouais, nickel. Enfin, tu vas me dire, ils vont pas vite. Donc ça devrait passer, je pense. On a pas besoin d'être deux pour l'instant au rythme où ils vont. Ouais, ça va. Oh. Attends qu'ils fassent un peu de place autour d'eux, je pense que les manœuvres vont être beaucoup plus. Le Bratak, le pauvre là. C'est pas simple. C'est la première fois qu'on me dit des choses aussi gentilles que ça. Le pauvre. Tu vois c'est un Suisse, tu peux pas dire le pauvre. Et voilà, les stéréotypes qui arrivent. Oh, pour l'instant, on monte bien, hein. On est déjà à 500 000. Hein. C'est pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Tia, elle prend tous les trucs où il n'y a pas trop besoin de manœuvrer. En fait. Ah, mais c'était convenu avant. Tiens, on lui a dit. C'était dans le contrat. Il dit non, ça va pas le faire. Ah. En forçant un peu, ça passe. Abîme, pas le matin. Ça permet d'avoir un deuxième tracteur pour. Ouais, nickel. Pour manœuvrer. Ça, tu vas te faire chier. Là, je viens de me faire avoir. Ouais, mais c'est la misère, les petites remorques. Non, tranquille, regarde. Allez, un petit peu vendre, allez. C'est parti. Vas-y, patron, tu fais ça bien. Vas-y, passe, madame. Ah, oh, tu peux prendre les moissonneuses au pire, hein, Roro. Les moissonneuses, les trucs à betterave, tout ça. Ah ouais, je vais prendre les trucs bien. Ça manœuvre bien en plus, ça braque bien. Ouais, les trucs bien petits. Ah ouais, ça passe bien en plus. Ah ouais, ça va passer crème, là. Je le sens déjà. La décroche, l'engrais, normalement. Mais c'est ce que je voulais faire, mais. Ah merde, putain, ça bug. Pardon. J'ai pas les images, mais alors sur le texte. Les Peggy 69, les Peggy 18 qu'il faut mettre parce que c'est. Aïe, c'est monumental sur les sous-entendus qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de sous-entendus. Avec des réalités. Il pourrait y en avoir.
On a déjà pas mal, on est à 675 000. Donc il faut savoir quand même que dans les deux derniers épisodes, j'ai claqué 10 millions. Ouais, bah c'est Roro. Hein. Roro, tu le freines pas. 8 découpes. Je vais me faire décapsuler les roues avant du fent. Tiens, vas-y, descends, Roro, c'est bon, te fais pas chier. Attends, je pense qu'il y en a encore une que je. Ah d'accord, je descends. Je descends, m'attaque, je descends. Voilà, je suis descendu. On va garder une moissonneuse hein, parce qu'il y a pas mal de barres de coups. Décroche. Tu vas te faire chier, Bratak. Moi je serais été toi, je serais rentré direct, je l'aurais vendu. Non, non, regarde, tac. Hop, et je reprends là. Voilà. Non. J'étais presque, mais. Je voulais que ça aille dans l'autre sens. Ouais, ouais, mais c'était prévu comme stop, ça le programme. Mais... Stop, je fais la circulation, vas-y, tiens. Passe. Je veux pas dire que je vais y arriver. Mais pourquoi elle part pas dans l'autre sens? Bouge! Parce que c'est. C'est une double. Le... C'est une double remorquée. Une remorquage, pardon. Nickel. Décroche. Voilà, là elle va partir. Normalement, dans le sens où je veux. Voilà, par là-bas. Ouais. Ah, mais attends. Attention, il y a un poteau. Bon, oh, mais qui c'est qui a mis son poteau ici? Ça promet, hein, ça promet pour les fermes suisses. Entre un qui tape tout, l'autre qui n'arrive pas à manœuvrer. Et oui, parce qu'on vous rappellera quand même le concept qui va arriver pour FS19, parce qu'on a quand même beaucoup de choses de prévues pour FS19. Les fermes internationales, donc le titre officiel, c'est le nôtre. Hein, interdit de spoiler ou de piagia, parce que sinon ça va chier. On l'a mis en marque déposée. Donc Bratak et bien sûr Roro ensemble, bah, ça va donner du lourd. Hein. Ouais, contrôleurs fiscaux pour les Français. C'est ça. Tu vas y arriver? Ou tu comptes bicher en tant que citerne? Non mais, pourquoi parce que je peux pas aller... T'as la roue qui est dans le poteau. C'est... Ah putain, il y a quelqu'un qui peut taper dedans. Oui, j'arrive. Ça je sais faire. Alors ça... Quoi qu'à eux deux, ils vont bien s'en sortir comme ça. Attends, recule. On sent la catastrophe. Faut que je regarde si je peux pas vendre quand même. Vas-y, hop. Non, je peux pas. On aurait dû garder un télesco dans le coin en fait. Vas-y, c'est vas-y, le premier qu'on a vendu. Dégage-moi ça. Ouais, en plus, ouais, c'est le premier qu'on a vendu. Oula, oula, oula. Ouais, calme. On se calme. T'es bien brave. Vas-y, mais vas-y, laisse-la là. Vas-y, vends. Je peux pas, elle est pas dessus. Quelle saloperie. Pardon. Bouge pas, j'arrive. C'est pareil. Oh, voilà. Si tu mettras un bip, hein. Vas-y. Ah, tiens. La prochaine barre de coupe, c'est pour Tia. Allez, Tia. Tu peux le faire. Tu es presque. Ah oui, en mode comme ça. Ouais, j'avais pas pensé. Mais avant qu'on rentre, tu veux pas vendre ce qu'il y a dedans? Ouais. T'as une barre de coupe à mettre. Pardon, excuse-moi, j'avais oublié. J'avais pas vu, moi. J'ai vu la machine disparaître, j'ai pas vu qu'il y avait une barre de coupe. On l'avait utilisé une fois, ce truc à lisier. Non, ça passe pas. Hé, hey, Roro, ça m'assure. Au moins, nous, on achètera du matos qu'on utilise. Voilà. C'est bon, ça passe. Tia, décroche-le. Et tout ce qui est bottes de paille et tout ça... Lisier, si, je crois qu'on l'avait utilisé, s'il me semble bien, la Just King 2. Enfin, je sais plus. Et vous avez vendu le Manitou, hein? Non, le Manitou, il est en train de charger, c'est Titi qui s'en occupe. Roro, ouais, descend. Parce qu'il y a, il y a l'appel du Manitou qui est là. Tiens, garde la moissonneuse. Oui, oui, je garde la moissonneuse. Je sais pas où est-ce que je dois aller avec, mais. Non, mais il y en a encore une, là, la moissonneuse, il y a une violente, tu peux la vendre celle-là. Non, la massée, c'est la barre massée, je crois, qui est là-bas, non? Ouais, j'ai encore une barre massée, tu pourras pas l'accrocher devant la NH. Ah non, c'est la Romstartat. La Romstar Stark. La quoi? Il a éternué. Il a éternué. A tes souhaits, Schizo. Merci. Mais à part ça, c'était pour deux analyses, on l'a jamais utilisé. Si, les abonnés l'ont fait. Ça, c'est la consolation. C'est ça. J'ai pas acheté du matos pour rien. Et tu sais que je m'inquiète parce que je suis qu'un million. Eh, mais c'est que vous êtes tous les trois en admin, là. C'est pas possible. Ah ouais, mais on est deux, un admin. Oui, bah moi et j'ai on a qu'un pas le partage million. De compte. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Si, on a le partage de compte. Normalement, oui. Roro, t'es à combien, là? 1 729 313. Ah, mais on est trois en admin, d'accord, ok. Ah bah, il a déjà vendu. Eh, mais on vend, ouais. Enfin, je m'attendais à vendre plus cher.
Hop là. Ah, tu pouvais la décrocher. Tant qu'elle est dedans, c'est que ça passe. Mais. Bah non, pas, je. Elle était bien en plus. Merde, bah voilà, voilà, perturbée là. Sorry. Tia, tia. T'as, on a acheté que pour 2 millions de matos. Ouais. Putain. Désolé. Ah, t'expliques, t'as pas reculé encore. Oups. Ah non, tu m'as mis en break là. Tu l'as mis en PLS. T'as rebranché le volant Ah non, même pas, il est au clavier. Oh, Bratak. Je croyais que tu m'aurais rebranché le volant. Non, non. Il est bien là où il est. Alors, regardez-moi ça. Arrière, parfait. Vous, ça. Ouais. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi en fait. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est battez pas. Bon, ouais. Les gars, ne foutez pas de ma gueule de mon chargement, s'il vous plaît. Hein. Salut tout le monde. Kizo. Salut, Ced. Oh la vache. Oh pétard. Comment t'as réussi à faire ça? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Voilà, bouge pas, faut que je passe un screen. Bouge pas, moi je passe un screen. Y'a quoi? Et puis en plus, tu les transbats sans sangles? Mais si, y'a des sangles. Va éviter de détacher, hein, parce que tout se casse la gueule là. Y'a les sangles, mais elles sont buggées du coup. D'accord. Merci. Ce sera la miniature. Pourquoi c'est marqué attaché, sangle, serrage? Eh non, non, touche pas, touche pas. Non, non, mais je touche pas, je touche pas. Mais ça t'a pas de panique, pas de panique. On a besoin d'un réanimateur cardiaque pour te piquer. Non, c'est juste que ça me demande si je veux attacher la sangle, c'est pour ça que je. Bah, tu fais pas, voilà. Déjà, à peine. Titi va au point de vente de laine, mais tu les vends pas. C'est où le point de vente de laine? La filature. Filature, ouais. Oh la vache. Voilà, chef, c'est fini. Ah, quelqu'un veut me suivre parce que j'ai peur. Ça peut se comprendre. Y'a de quoi. Ah, mais parce que se tourne un peu le truc, il la gueule un peu, tu vois. Un petit peu, ouais. Okay. Allez, bien. Eh ben attends, je vais le prendre, Titi. Bratak, tu cherches quoi? Patate. Patate, ok, on cherche tous patate alors. Patate, ok, on fait les patates et patates, c'est Beywa. Lundi, des patates. Mardi, des patates. Mercredi, des patates. Titi, tu peux me dire pourquoi t'es dans le même autre. T'es pas dans le même sens que les autres? Parce que c'est un belge. Pardon, voilà, sorti tout seul. Non, parce que. C'est pas pour dire, mais. Tout le monde est dans le même sens, enfin. Sauf toi, voilà. Parce que moi, j'aurais juste. À... Maintenant, j'aurais juste à faire une marche arrière et c'est bon, tu vois. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. J'en connais un où ça s'est cassé la gueule. Il y a possibilité de venir avec Manitou et Fourche, s'il vous plaît. Ah, je te l'avais dit. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait se péter la tronche avec. Eh, j'ai été doucement pourtant, j'ai commencé à voir partir, j'ai tourné tout à droite, mais c'était mort. Il s'est couché quand même. Et puis alors, je suis couché devant un arbre, donc tout qui va bien. J'attends les pompiers, s'il vous plaît. La fourche, ah, j'arrive, ouais. Vas-y, viens, tiens, viens me sauver la vie. Non, mais les Français, on est solidaires, c'est la seule qui court, t'as vu, pour moi, là, pour me relever, t'sais. Les autres sont tous partis à les vendre. Bah non, on attend tout le monde, on attend que tout le monde a moins. J'ai pas de coup, je suis désolé. Coro, appelle les flics, comme ça, il pourra pas commencer sur FS19 en même temps que nous. Appelle les flics. Alors, où qu'il est? T'es où, ce qu'ils ont? Dans le virage, à côté de la filature. Attends, et j'ai envie de voir ça. Ah, putain. Elle est où, la filature? Ah oui, d'accord. Ah bah non, tiens, je vais lui mettre un massé pour faire les patates. Vu que c'est bien lourd et ce sera bien lent pour un massé Ferguson. Parce que massé Ferguson, c'est des fainéants. Bah, un matériel de français, hein. C'est ça. Eh, mais vous allez pas briller sur le 19, je vous dis tout. Toi, t'es ouvrier déjà, t'as juste le droit de fermer ta gueule. Donc, on se calme. Chef, défends-moi, c'est ton rôle. Bah, oh, écoute, fais attention. De quoi? Moi, je suis pour la tonte des Français lors de Farming Simulator 2019. Donc moi, je serai à l'écoute des suggestions de mon employé parce que je suis un patron moderne. Les gars, on peut pas changer dans les remorques qui restent. Donc, on a perdu une remorque. On a perdu une pelote de laine. Ouais. C'est ça. Alors attends. Oh, c'est pas. Tu veux que je la fasse? Il y a l'autoloot dessus, c'est beaucoup mieux. Ah. Non, elle essaye de me redresser. Mais...
C'est que là, avec l'arme, c'est un peu compliqué. Essaye de redresser. Je suis posé sur la palette. Sur la palette. Et en 4 ans, on n'a jamais réussi à la redresser. Hein. Il y en a beaucoup qui ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ouais, par contre, il y a... Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tia, c'est normal que je peux regarder sous la jupe. Oh, oh là là. Je savais que c'était pas bon de laisser une femme aller des schizos. Hein. Nickel, vas-y, continue. C'est par où, droite ou gauche? C'est bon. Je sais pas. Voilà. Attends, je la décroche comme ça, tu pourras la redresser. Je sais pas. C'est bon. Ouais, c'est moi qui t'en mettais en fait. À parce gauche. Que moi, je suis bloqué dans l'arbre. Merde. Attends. Ce qu'il y a de bien, c'est que moi, j'ai un petit tracteur qui peine. Attends, je vais prendre la palette qui reste. Ouais. Titi, attends, on va attendre Roro, il est à la traîne. Ouais, moi, je suis à 6 km dans la montée. Youpi. Vas-y, Roro, c'est bon. Vas-y, Roro, c'est bon. Tu vois, ça, c'est de l'employé bien dressé, tu vois, qui caresse son patron dans le sens du poil. Ah, ouais. Ça, c'est bien. Et c'est parti pour la vente de laine. 3. Mais ah, pourquoi vous lui avez pas filé un tracteur plus puissant à Roro aussi Alors, c'est le patron qui se tape la merde et... Eh, qu'est-ce que tu veux? Faut savoir bichonner son employé. Ouais, tu vas voir, je vais le bichonner, mon employé. Vu que ça va être un employé efficace et qu'il ira bosser pendant que moi j'irai monter. Eh, Roro, qu'est-ce que tu fais là, Bamba? Oh, merci Seigneur de m'avoir fait naître en Suisse. Pendant ce temps-là, moi je vais aller vider. Je vais aller vendre les animaux, pardon. Ouais. Notre vache. Notre vache, oui. Eh, c'est la vache et le prisonnier, mon gars. Ouais, toi t'es prisonnier du crédit, ça c'est un fait. Ça c'est ça. Et la vache, elle a autant de fumier, putain. Qu'est-ce que je prends cher, là? Comment je suis pressé d'arriver au 19, c'est... Vous aurez la surprise, ces enfants. Merde. Bah, de toute façon, 19, va falloir quand même qu'on définisse juste un petit peu, deux, trois petites choses. Oui. Alors, le gars qui a écrit dans le chat... Alors, attends, on va se remettre d'accord. Sur le Discord, j'ai un canal carré d'officier, en fait. Il y a un mec qui a osé écrire interdit de crédit, tu sais. Donc, pour la c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, je sais qui c'est, mais celui-là, il a rêvé. Mais alors, rêvé complètement. Là, t'as juste le droit de rêver. Ouais, mais pas, bon, on va pas lâcher non plus 500 000 de crédit dès le début. Ça te regarde, toi, t'es belge. Les 500 000 de crédit, ils vont péter d'entrée. C'est ça, quoi. Bah, héros, c'est pas grave, c'est quelqu'un le plus pauvre dans la ferme. Je m'en fous, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks, mon gars. Je t'ai dit que moi, c'est comme ça que je marche. Et ça a toujours fonctionné. Donc, je marcherai comme ça, donc on m'enlève pas le crédit. Quel silo pour commencer? T'inquiète, j'ai une petite surprise. On va commencer par celle de la fin. Mi-décembre. Les moutons? Mi-décembre. Les vaches? C'est où qu'on doit? C'est là qu'on doit tourner! Ouais, moutons, vaches, c'est les mêmes, pardon, excuse-moi. Oui. Les vaches. Après avoir vendu tout le matériel, toutes les récoltes, tout le matos, tout ça, tout ce qu'on avait sur la carte, on n'a pas pris la valeur des champs. Mais on se retrouve avec 5 700 000 de valeur. Donc, à tous les abonnés premium que j'ai sur la chaîne, je vais leur poser la question, est-ce que je le reprends? Parce que ça avait été en pourparler qu'on pouvait s'en servir pour la ferme internationale ou pour ma carrière en difficile sur FS19. Coup, on va reposer la question, on va leur dire le montant, est-ce qu'on divise par deux, est-ce qu'on prend camion, est-ce qu'on cède un peu, est-ce qu'on le prend pas du tout, est-ce qu'on le prend pas en compte. Donc du coup c'est les abonnés premium de ma chaîne qui vont pouvoir choisir, c'est un peu l'exclusivité que je leur donne, entre guillemets, c'est pouvoir choisir l'avenir de commencement FS19. Donc on dira un grand merci quand même à tout le monde, à Tia, Ced, Magiros qui est passé déjà, il y a Titi, il y a Roro. Il y a beaucoup de monde qui est passé sur cette carrière, on dirait un gros merci à tout le monde, ça fait énormément de plaisir. Ah oui, il y a pas trop. Plaisir. Et il y a Bratak aussi, pardon. Oh le pauvre. Ah j'étais un peu zappé, mais c'est la deuxième fois que tu passes, c'est pour ça. Je suis pas cité parce que ça fait que deux fois que tu passes. Je t'ai pas vu souvent avec nous en train de filmer. Ouais, mais parce que t'étais pas là, mais je suis déjà venu. Ah ouais. Les souris aussi, elles passent souvent quand je suis pas là. La seule chose que je peux dire, c'est que tu peux garder les sous, que vu ce que tu vas dépenser, on va être... Dommage que ça a coupé. Il a raison, Francky.
Moi, je trouve quand même, si tu commences ta carrière avec trop d'argent, tu vas être déçu, tu vas pas pouvoir taper dans le crédit. Ça, non, ouais. Non, c'est bon, arrête de lui donner ces idées, toi. Ouais. T'es foutu, tu vas cramer Frankie. Comme un dingue pour pouvoir récupérer son crédit. Et bah, c'est toi, t'es là pour ça. Donc, je vous rappellerai un peu le programme, parce que l'épisode a dû être court, vous avez dû louper un gros passage de cet épisode-là, parce qu'on a eu pas mal de problèmes avec l'ensilage et tout ça. Du coup, on a 1h45 d'enregistrement, mais vous avez 10 minutes. Donc, on vous rappellera quand même que les fermes internationales se passera avec Bratak, Titi le Belge, ouais. Son ouvrier, Roro, moi-même, et avec tout ce qui peut être français, belge ou suisse. Ça veut dire que, par exemple, Tia est française, elle pourrait venir avec nous en tant qu'ouvrière. Et comme Majeros est français, pourrait venir avec nous. Tu m'excuses, Titi, arrête de faire le con comme ça, t'es saoulant. C'est pas Titi. Mettre un coup de tête, c'est qui? C'est Bratak. C'est pas moi, c'est pas moi, non. Salut. En plus, je suis en train d'expliquer, j'étais à fond dedans. T'es. Ouais. Donc du coup, on va se laisser là avant que ça termine plus loin. Hein, ça termine en couille, je suis obligé de faire des coupures de ouf. Donc merci à tous. On va se retrouver sur FS19. Donc je vais sortir une petite vidéo actu avant la sortie FS19 avec une petite cinématique qui est prévue par mon monteur. Et on va essayer aussi de faire la grosse sortie FS19 tous ensemble. Alors peut-être un live de prévu côté Roro. Moi, je ferai peut-être pas forcément de live. Oui, donc, live de prévu, bien sûr. Pour la voilà. Donc live de prévu pour Oro à la sortie. Moi je serai plus concentré sur les tutos, donc je passerai vite fait sur son live. On se dit à la prochaine, à Schizofaf, et avec un gros programme sur FS19. Merci à tous et ciao, bonsoir. Ciao. Ciao. À plus YouTube.